Bonjour et bienvenue sur Allo Finance. Alors, pas la peine de. Nous sommes le lundi 5 septembre, pas la peine de se voiler la face. C'est la cata, il n'y a pas d'autre mot. Deux problèmes qui viennent plomber les marchés vendredi. C'est donc, au vendredi, je vous rappelle, en une journée, on a effacé tous les gains de la semaine. Moi, plus de 3,50% de baisse sur le CAC, des chutes spectaculaires de valeurs bancaires. Et ça continue ce matin. L'Asie perd 2%, le CAC à l'ouverture perd près de 2%. Bon, qu'est-ce qui se passe? La récession, comme nous dit les échos, c'est la récession et la Grèce. Alors revenons sur la Grèce. La tribune nous dit c'est le moment de vérité. Là, c'est même plus pour la Grèce, c'est pour l'Europe du Sud. En fait, ce qui se passe tout simplement, c'est qu'il y a eu rupture, comme vous le savez, des négociations avec les Grecs. On se demande vraiment maintenant si les Européens ont pas tout simplement envie de jeter l'éponge et de se dire advienne que pourra, il faut lâcher la Grèce, parce que la Grèce, finalement, on s'aperçoit qu'elle n'a même pas mis en place les mesures qui étaient prévues dans le premier plan d'aide à la Grèce. Or, on est en train d'essayer de voter le deuxième plan d'aide à la Grèce qui implique une rigueur accrue par rapport au premier. Or, le premier n'a pas été appliqué. Rien. On s'aperçoit qu'aucune des mesures qui devaient être mises en place en matière de fiscalité, de contrôle des services publics n'a été mise en place. Donc, la réaction des Européens, c'est de se dire, bon, ben, finalement, les Grecs n'y arriveront pas. Autant jeter l'éponge. Il faut quand même vous dire que si c'était le cas, bien évidemment, ça serait la catastrophe, en tout cas à court terme. L'autre nouvelle, qui a été largement commenté dans toute la presse, et bien évidemment les chiffres du chômage américain. On n'attendait pas de miracle, on attendait au moins quelques créations d'emplois, il y en a eu zéro. Les ménages américains ne veulent toujours pas consommer, ils ne veulent pas s'endetter ou ils ne peuvent pas s'endetter, donc il n'y a pas de croissance, donc il n'y a pas de création d'emplois. Alors on attend jeudi le discours de Barack Obama sur la croissance et sur l'emploi. Malheureusement, sa marge de manœuvre est très faible. Alors en Europe, c'est aussi l'Italie qui est sous pression. L'Italie compresse d'adopter un super plan d'austérité. Mais à quoi sert d'adopter des plans d'austérité comme ça a été le cas en Grèce s'ils sont pas appliqués? Alors en plus, ce qui ne facilite pas les choses, qui fait baisser les marchés ce matin aussi, c'est la nouvelle claque que s'est pris Angela Merkel dans une élection régionale, en tout cas son parti. Et donc il faut bien savoir que maintenant Angela Merkel n'a plus aucune marge de manœuvre, c'est-à-dire que tout se décide au Parlement, un Parlement qui est affaibli, un Parlement qui est en attente d'élections qui malheureusement ne devraient pas avoir lieu avant 2013. On est dans une situation d'instabilité totale en Allemagne et donc un pouvoir de manœuvre qui est largement faible. Bien évidemment, la nouvelle aussi de vendredi qui a secoué toutes les banques, c'est le fait que l'organisme chargé de la régulation des prêts immobiliers, on se demande d'ailleurs ce qu'il faisait en 2007, cet organisme-là, ça a décidé d'attaquer 17 banques pour les subprimes. Et comme d'habitude, qui est la banque française qui se retrouve là-dedans? La Société Générale. Un petit mot sur Air France. Air France, la plus mauvaise performance du SBF 120, nous dit la tribune. Air France ne vaut plus que 2 milliards d'euros. C'est peut-être pour ça que Bernard Tapie s'y intéresse. Et nous, en France, voilà ce qu'on fait. On discute de la TVA sur les parcs à thème. Voilà, c'est ça le grand débat. Au moment où l'Europe et la France, l'Europe, le monde est confronté à une crise sans précédent, bien nous, on se bat pour savoir s'il faut augmenter ou pas la TVA sur les parcs à terme. Voilà, tout ça est extrêmement rassurant. Donc une journée qui risque d'être assez agitée. D'autant plus, je vous le rappelle, que les marchés américains sont fermés. C'est Labor Day, c'est l'équivalent de notre 1er mai.